بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Mes mes frères, les louanges, les remerciements les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent le dominant sur toutes choses le subtil le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa miséricorde, sa générosité, sa bonté, et d'autre part, sa justice qui est basée sur son omniscience et sur, son sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de, le, de nos péchés. Et lui s'est lancé les nombre contre les tendances de l'âme. Celui qui a la guide et nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guide et nul ne saurait le guider dans le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul d'une adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live, le quatrième épisode donc de la vie bas la vie bas Et avant de commencer cet épisode, je vous annonce la bonne nouvelle que vous avez déjà deviné, puisque Karim est parmi nous. Rien que par la qualité et le cadrage, vous avez compris qu'il est revenu d'une pause <laughs> obligée qui lui a été imposée, comme il dit, rien de grave, mais quand même douloureux. Qu'Allah le Récompense par le meilleur et comme toute l'équipe, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala en fasse l'occasion pour lui pardonner ses péchés, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'y a pas une maladie, une gêne, même un souci qui touche le croyant sans que Allah ne lui enlève un degré ou, de, ou ne l'élève, sans qu'Allah ne lui enlève un péché ou ne l'élève un degré. Donc notre Seigneur il est bon, miséricordieux, il est celui le pardonneur. Donc, ensuite, on va aujourd'hui, Inch'Allah, rester sur un point essentiel, tourner en tout cas autour de ce point-là. C'est comment se conduire dans cette vie d'ici-bas que nous avons vue éphémère, que nous avons vue une vie vaine, que nous avons vue une représentant, Chez pas plus le poids. Son poids ne représente pas, Chez pas plus que le, celui de, de, de l'aile d'un moustique. Autrement, il n'en aurait pas fait profiter un, un non-croyant sur l'instant. instant. Donc alors, comment se conduire dans ce monde Est-ce qu'on va délaisser ce monde Est-ce qu'on va, se retirer du monde Est-ce que alors on va s'investir dans ce bas monde comme tout le monde le fait et... ou alors, on va tout simplement renoncer et attendre la vie dernière. En réalité, vous avez bien compris que ce bas monde est un champ, un champ d'épreuves. Ce bas monde a cela de valeureux qu'il a porté les meilleurs des hommes, que sont les prophètes sera tout salam qu'il est l'occasion pour distinguer le sincère de l'hypocrite il est l'occasion pour distinguer le courageux de du faible et du peureux il est l'occasion pour distinguer le généreux de l'avare il est l'occasion pour distinguer les vrais croyants par rapport donc à au prétentieux donc Allah nous compte parmi les croyants et qui nous donne la sincérité qui nous permettent de passer ce bas monde sans nous perdre comment si donc conduire dans ce bas monde et vous, vous doutez bien entendu que Allah n'a rien créé en vain. Il a envoyé les prophètes, on l'a vu la semaine dernière, pour nous montrer le droit chemin. Il nous a comblé de ses bienfaits. Et si on se mettait à les compter, on, jamais on ne saurait les dénombrer. Donc ce Seigneur nous a montré le droit chemin qu'il faut suivre. Et nous avons fini la semaine dernière en parlant, mardi dernier, en parlant donc d'une l'exemple donné par le professeur salam, du droit chemin qui vous a été mis par Karim en, en réel sur Instagram. Et sur TikTok, c'est le droit chemin, il a dit le professeur Sallam, Allah a un chemin qu'il a tracé, qui est le droit chemin, au-dessus, à l'entrée duquel, il y a un héros, quelqu'un qui appelle, un Muaddin. Et de part et d'autre de ce droit chemin, il y a une muraille, deux murailles plutôt, une muraille de chaque côté, avec des portes, des portes qui ne sont pas évidentes, avec ayant des rideaux, donc qui les ferment. Et au-dessus de ce chemin, il y a un autre héros, qui appelle également. Il a dit le droit chemin, c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit chemin, c'est le chemin qu'Allah a tracé qui conduit de ce bas-monde bon vers l'au-delà. Celui qui appelle aux gens venez rentrer, dans ce, rentrer tous dans ce monde, empruntez tous plutôt ce chemin, c'est le Coran. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le festin qu'Allah a laissé donc aux gens, il a choisi les meilleurs d'entre eux qu'on appelle Ahlul Quran. Les gens du Quran, Ali le Prophète sallam Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatu, les gens du Quran ce sont les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi particulièrement, ceux, ce n'est-ce pas, sur lesquels Satan n'a pas de prise puisqu'il dit que je vais m'installer à leur droite, à leur gauche, sur leur euh, à leur droite, à leur gauche devant eux, derrière eux, tu ne trouveras que très peu de gens. Donc ils seront reconnaissants, ce sont les gens Allah a choisi, donc comme il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, al » ce que Allah a choisi. Il a dit donc que celui qui appelle, c'est le Coran. Les murailles, ce sont les houdouds. C'est ce que Allah a mis comme limite entre le vrai et le faux, entre tracer le chemin, donc montrer les limites à ne pas franchir, entre le halal et le haram, entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Et il dit donc qu'il y a à nouveau un héros. Donc ces sept mirailles ou ces deux mirailles sont euh, coup, entrecoupées de portes. Et donc les portes, ce sont des interdits. Et Allah y a mis donc des, Allah y a mis des rideaux pour que cela n'apparaisse pas ou, et que cela n'attire pas. Il a mis des interdits et Allah a tout permis, nous avons dit que sauf ce qu'il a interdit. Donc il y a quelques portes, quelques portes, et au dessus donc des deux murailles et donc du chemin, il y a un autre héros qui est la conscience du croyant. Chaque fois que quelqu'un empruntant le droit chemin veut ouvrir une porte pourtant cachée par le rideau, le la conscience du croyant lui dit ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu cours à ta perte. Voilà notre Seigneur Subhanahu wa Taala une partie de sa générosité. Et tout bien fait bien de lui. Donc aujourd'hui, comment, comment nous sommes appelés tous, depuis que Adam a désobéi à son Seigneur, wa ce qui lui a valu, ce qu'il lui a valu d'être déchu, de quitter le paradis et de venir sur cette terre, depuis donc Allah a voulu alléger nos, notre, notre fardeau ou nos fardeaux en voulant qu'il y ait une fin à cela qui est la mort. Et il a également voulu, subhanahu wa nous rappeler donc l'essentiel. Les, il a mis ses 514 livres, au Ibn Qayyim, dans 4 ans, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran, et tout rassemblé dans le Coran et tout le Coran dans la Fatiha. Quel Seigneur! Quel éducateur! Quel bienfaiteur! C'est notre Seigneur. C'est pour cela que celui qui le connaissent sera satisfait de lui. Et ce que nous devons répéter, à, à chaque fois, l'entente de venez au bien, venez à la prière, venez au bien. J'entends je, je, je par là l'appel à la prière. Quand il, le muadin, le mieux infini, on doit dire Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, puisqu'il n'y a pas de Seigneur, il n'y en a qu'un seul. De l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu wa sallam, comme prophète et comme messager, qu'Allah le bénisse ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fassent donc l'honneur d'en faire partie. Donc ce chemin droit est celui qu'il faut emprunter. Comment l'emprunter, Yahrab, comment l'emprunter? Comment l'emprunter? Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un des compagnons du prophète sallallahu sallam, et non le moindre, il s'appelait Abdallah ibn Omar. Abdallah, le fils d'Omar, connu pour sa rigueur, connu pour son attachement à la sunna du prophète sallallahu sallam. On dit qu'un jour, il s'est couché en plein soleil. Ses compagnons lui ont dit, Mais que fais-tu là Il dit, Parce que j'ai vu au cours d'un voyage le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coucher là. Moi, je me suis couché donc ici. On dit, Oui, mais l'arbre a été coupé justement pour, que, pour fermer la porte à l'association et que les gens ne se disent pas que cette place a une, partie, a une particularité. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est couché là, on va venir demander des bénédictions. Comme ceux qui euh, ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer un jour et donc ils ont dit, Fais-nous. Un arbre qu'adorait les polythéistes, montre-nous un arbre aussi où nous allons chercher la bénédiction auprès de cet arbre. Il a dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, vous faites comme les compagnons de Moïse qui leur dit fais-nous une divinité, comme eux aussi ils ont une divinité. Allahu Akbar. Donc cet arbre ensuite a été coupé justement pour couper court à toute forme d'association. C'est pourquoi tous les prophètes sallam, ont été envoyés, notamment le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Omar est connu pour ça. On lui dit, mais il mais n'y a pas d'arbre. Il dit, je ne vous ai pas demandé votre avis. Moi, j'ai vu le prophète se coucher là, pour suivre, pour mettre mon pied dans ses pas. Moi, je me couche là. Ensuite, il se relève, il s'en va. Il est bien connu. Un jour, donc, il dit, et, Ibn Omar, a l'a guerre, ainsi que son père, et qui est Omar, s'il y avait un inspiré de la communauté, ça aurait été lui. Et donc, Allah fait sortir le vivant du vivant en général, même s'il fait sortir le mort du vivant comme le vivant du mort. Ibn Omar disait, je hein? a dit, un jour le professeur m'a pris par l'épaule. Il m'a dit, soit dans ce bas monde comme un passant ou comme un étranger. Confiddu au abirisabil. soit dans ce monde, comme si tu étais ou comporte-toi comme un un étranger, ou abirisabil, un voyageur. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari également, hadith rapporté par Ahmad. Euh, le quatrième des quatre hein, imams de référence dans cette communauté, la meilleure, qui est Al-Sunnah al-Jama'a, et également rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a le Fastus Miséricord. Bukhari suffirait certainement. Al-Bukhari suffirait comme référence, même si son maître, c'est l'imam Ahmed, qui l'a enseigné. Donc Al-Bukhari a rapporté ce hadith, sur lequel il n'y a pas de doute. C'est un hadith qui est authentique. Soit dans ce bon monde, comme monde, comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Et à la suite du hadith qu'on verra inshallah. Ibn Omar disait quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. Mais ça, c'est une autre partie du hadith qu'on verra encha'Allah plus tard. Donc ici, il y a un mot-clé d'abord l'attitude du professeur Allah. C'est le fait, c'est le toucher. Prendre quelqu'un par l'épaule. C'est de l'amitié, c'est de la proximité, c'est de la compassion. Et Ammar s'en souvient. C'est pour cela que le prophète sallallahu ne, alayhi n'enlevait en, pas sa main quand il serrait les mains. Il était le dernier à l'enlever. Parce que c'était une marque de respect, une marque de « je veux rester en ta compagnie » au lieu d'arracher furtivement sa main. Non, il gardait la main tant que la personne gardait sa main. Et donc ça c'est la compassion. Il n'a été envoyé que comme miséricorde pour le monde. Et bien, Omar s'en en est souvenu. La preuve, c'est qu'il n'a pas dit. Le prophète sallallahu alayhi wa Il a dit il m'a pris. Il m'a pris. pris par l'épaule. Il m'a dit donc, il s'en souvient encore. D'où la douceur que nous devons tous manifester vis-à-vis -vis de notre interlocuteur. Parce qu'on lui veut du bien, notamment vers les interlocuteurs qui sont jeunes, qui sont très sensibles. Hein. Et donc, qui pas susceptible forcément mais ils sont sensibles à, au respect sensibles à la considération ça c'est une façon qui est extrêmement importante dans la dawa c'est vraiment être avec les gens au service des gens et être à, donc à leur portée il a dit soit dans ce bas bon monde comme un étranger ou abir sabil c'est ce qui est traduit par étranger en réalité l'imam a Kiti... L'imam euh, Ibn Qayyim, de même Ibn Rajab qui est un de ses élèves, ont beaucoup écrit sur ce terme-là et sur notamment un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa qui dit « Bada islamu ghariba, sayaudu ghariba, kama bada'a touba lil » Hadith rapporté par euh, Ibn Omar encore et également par Abu Hurayra qu'alla a tous les deux et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est authentique et qui a été rapporté par un des élèves de Al Bukhari qui est l'imam musulman. L Islam ghariba, l'islam a commencé étrange ou étranger et il deviendra étrange comme il a commencé tout on traduit souvent par ça bienheureux les étrangers bienheureux les étrangers donc on reviendra également sur ce terme sur ce hadith là dans notre comportement dans ce bas monde là par ce gharib en réalité qu'on traduit par étrange, étranger et étrange en fait les nos frères et nos soeurs d'Afrique de l'Ouest en particulier, euh, parfois on voit les mendiants, on les appelle garibou. En bambara, on les appelle garibou. En peul, on, on les appelle garibou. Et même ils vont jusqu'à dire en peul, grido Allah, garibou. L'ami d'Allah, l'étranger. Grido Allah, garibou. Donc l'étranger, au moins dans le temps, était quelqu'un qu'on qu considérait, qu'on respectait, parce que c'était quelqu'un qui était noble. Un étranger, c'est quelqu'un qui est venu pour un but bien précis et qui s'en va, qui n'est pas là pour s'installer, même si la terre appartient à Allah. Quand on dit c'est un étranger, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas de notre contrée, C'est pas quelqu'un qui est établi, c'est quelqu'un qui est de passage, ou comme l'a dit le professeur Sallam, mm « Aou Abir Isabil, -hmm. Abir c'est celui qui est de passage. Mm -hmm. Gharib est la même est de la même racine, disent les arabes, que Maghrib. Al-Maghreb, aujourd'hui on dit le Maghreb. Al-Maghreb, c'est le coucher du soleil. Al-Maghreb, c'est le nom de la quatrième prière, donc celle du coucher du soleil. Al-Maghreb. Al-Maghreb, donc c'est le coucher, c'est le couchant, c'est l'éloigné. Donc, gharib c'est à la fois étrange et étranger. Soit dans ce bas-monde comme étrange ou comme étranger. Donc, c'est pour cela qu'on va rester un tout petit peu sur l'étymologie, sur la compréhension linguistique de Gharib pour mieux concerner notre sujet. Donc, étrange, qu qu'est-ce que fait un étranger Un étranger, il est venu chercher une chose et il s'en va. Il n'est pas d'ici. En effet, nous avons été créés, inshallah pour le paradis, pour l'autre monde. Nous n'avons pas été créés pour ce bas monde. Ce bas monde n'est qu'un passage. Et un étranger, quelque part, il ne s'occupe pas de s'installer. Un étranger qui arrive et qui va commencer à acheter une maison, qui va commencer à... Il n'est pas étranger, il est venu pour s'installer, il n'est pas voyageur. Un voyageur a pour objectif de retourner chez les siens. Et donc, comme disent les gens de science, l'homme a été créé, Adam a été créé et il a été mis au paradis. Et pour le paradis, c'est pour cela qu'il y reviendra, sans aucun doute, et avec un pourcentage assez faible, malheureusement pour nous, de ces enfants, puisqu'on sait que la part de l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah demandera à Adam, il dira me, voyez, me voici au Seigneur, la Baïka et Allah dira, Adam, fais, part, fais sortir de ta descendance la part de l'enfer, on lui dira combien, il demandera plutôt combien, on lui dira, sur mille de tes enfants, 999, qu'Allah nous préserve. Donc un, un, un pour mille seulement sera destiné au paradis même si les 999 sont majoritairement, largement majoritairement de Gog et Magog, qui sont des humains, qui viendront à la fin des temps, mais il n'en il demeure pas moins que des musulmans en feront partie, des hypocrites certainement, puisqu'ils seront fin au fond de l'enfer, comme Allah le dit, Alors le promet, sa promesse est vraie, celui qui est le vrai hypocrite, yani, nifaq Al-Akbar, le vrai hypocrite, l'hypocrite qui fait, pense tromper Allah et tromper les croyants en disant que... Il est musulman alors qu'il ne l'est pas, il est, il est plutôt croyant alors qu'il ne l'est pas. Celui-là, il est là au fin fond de l'enfer, comme Allah lui a promis dans le verset 145 de la sourate les femmes, de la sourate 4. Asfal, le, le point le plus bas de l'enfer sera occupé par les hypocrites. Donc les musulmans hypocrites en feront partie. Ils prieront comme les musulmans, ils gêneront comme les musulmans, ils feront le pèlerinage comme les musulmans, mais... Ils ont échoué dans leur test, dans leur examen et dans la vie d'ici-bas, puisqu'ils n'ont pas cru en Allah et ils sont morts dans cet état-là, qu'Allah nous en préserve. Il y a également tous ceux qui, comme l'a dit le Prophète les insolvables. Ils viennent avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, mais ils ont été injustes vis-à-vis -vis des créatures d'Allah, comme l'a défini le Prophète ils ont frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Au jour du jugement dernier, Allah va prendre de leurs prières, ça veut dire qu'Allah accepte accepté leurs prières, de, ou en tout cas certaines de leurs prières, leurs jeûnes, leurs sadaqat, leurs bonnes actions, et il va les donner aux gens qui ont été injustement traités, parce qu'Allah est juste. Allah s'est imposé, personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. « Ya ibadih, inni tu dhulma la nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fa latadhalamu »« Oh mes serviteurs » dit Allah dans le hadith Qudsi. Rapporté par Abu Dhar, consigné dans le Parlement musulman, ô oh mes serviteurs, c'était le hadith le plus aimé des savants du Sham, ô oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai rendu interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. C'est pour cela que Allah pardonne certainement. Il a gardé 99% de son pardon, de sa miséricorde pour les croyants au jour du jugement dernier, mais Allah ne pardonne pas avant de réparer les différents entre ses serviteurs. Tout ce qui est fait vis-à-vis -vis de lui, et nous sommes tous injustes. C'est ce que disait Yunus. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration que toi. Je faisais vraiment partie des injustes. Ça, c'est un prophète. Que dira alors de nous Donc Allah pardonne toutes les fautes. Mais il les réparera. Il redressera. Il réglera tous les différents. Avec un dé, Tous les différents. Entre ses serviteurs. Et donc, certains, comme l'a dit le professeur Sallam, Allah prendra de leurs prières, de leurs jeûnes, de leurs bonnes actions, il va donner aux gens qui ont été injustement traités. Et si, et si, il ne leur reste plus de bonnes actions, Allah va prendre les péchés proportionnellement des gens qui ont été injustement traités, il va les remettre dessus et ils vont tomber en enfer, bien qu'ils soient musulmans. Qu'Allah nous préserve des conséquences de nos péchés, comme le demandait le professeur Sallam dans ses introductions de discours. Donc, je disais que l'étranger ne va pas venir et s'installer là. Il va venir pour être de passage, hein, comme un voyageur. Il va prendre de ce bas bon monde ce qui l'intéresse. Il va prendre, quand il fait une halte, c'est pour prendre ce dont il a besoin, se reposer un peu et partir. Le meilleure raison, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit dans un hadith rapporté notamment par l'imam al-Tirmidhi, et qu'il a considéré comme Hassan Sahih, qui est un hadith qui est bon, il a dit. Il est authentique et il est bon. Il nous a dit ma position, ou que ce bas bon monde, qu'est-ce qu'il représente Si ce n'est, je suis dans ce bas bon monde comme un cavalier qui s'arrête tant soit peu sous l'ombre d'un arbre et ensuite il continue sa route. C'est-à-dire que notre séjour, notre passage dans ce bas bon monde, doit être considéré, compris, comme une pause. Mais la destination, c'est l'au-delà. Comme l'étranger qui vient chercher une chose, il règle une affaire et il part. Le voyageur, il, il en fait juste une halte. Une halte. Si, vous êtes, si on est en vacances, vous qui êtes en vacances, hein, parfois, en tout cas beaucoup d'entre vous, est-ce qu'on peut seulement imaginer que celui qui va en vacances, qui est en voyage, hein, va s'installer quelque part en y construisant en investissant là où il est, sur l'air d'autoroute, ou dans un village qu'il veut visiter, ou à la montagne, il vient, tiens, je vais m'installer là. Non, ce n'est plus voyageur, il devient résident. Donc le voyageur est celui qui admire certainement la beauté des créatures d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, autant que ceci soit permis. Il va y prendre un peu d'air, il va peut-être y planter un arbre, il va peut-être... Ramasser quelques souvenirs et il va partir. Le poète que cite l'imam miséricorde. un des savants respectés de cette communauté, qui est mort en 676 de l'Égypte, né en 631, comme je disais parfois, je le rappelle, il n'a passé que 45 ans dans cette vie. 631, 676. Et pourtant, c'est l'un des imams. Les plus réputés de cette communauté, il était chaféite. Il était d'obédience chaféite dans l'école, la troisième des quatre écoles et ce n'est pas pour autant que le savant n'en profite pas de sa science. On disait qu'il a appris le Coran en entier à sept ans. Allah, c'était un hyper doué, un surdoué. À sept ans. Et je ne connais pas de bibliothèque, je ne connais pas de mosquée où on va pas retrouver ces 40, ce qu'on appelle les 40 d'Anawī ou mieux encore les jardins de la piété. Rien de D'ailleurs, ce hadith en question dont nous parlons, qu'on ne donner Anna à Sabil, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant, est le 40e des 40 hadiths de Anna qu'elle fasse miséricorde. On ne peut pas imaginer que sur une autoroute où tu vas juste t'arrêter pour des raisons techniques ou pour te restaurer, que tu vas investir là. Le monde est éphémère. Et fais ce qu'il contient, comme l'a dit le prophète Allah Et la meilleure chose, la meilleure chose, la meilleure compagnie que tu peux avoir dans ce monde, c'est une femme pieuse. Qu'Allah bénisse nos femmes et les réformes, qu'Allah bénisse nos mères, qu'Allah bénisse les femmes de cette communauté qui supportent tant, notamment à l'étranger. Et donc, cet étranger ne va pas venir s'installer. Il va Prendre ce dont il a besoin. Je disais donc, le poète disait, l'imam al dans le rire de il disait, le poète disait, « Inna lillahi ibadana futana, tallakou dunya wa khafou fitana, nadharou fiha, falamma alimu anna Laysat laisat watana, taqazuha »

qui sont intelligents qui sont intelligents fitana ils ont divorcé d'avec ce monde Ils sont pas restés Même pas une nuit avec ce monde ils l'ont traversé talaqud dunya wa fitana ils ont craint les épreuves nazaru fiha ils ont regardé dans ce bas monde nazaru fiha falamma alimu quand ils ont su annaha que cette vie laysat li hayy watan que pour un vivant, cette vie n'est pas une patrie. Ce monde n'est pas une patrie. Ils ont pris cette vie. Ils ont pris comme un cours d'eau. Et ils ont pris les bonnes œuvres comme une, une, une pirogue, comme une, un bateau. Donc pour voguer sur ce taux sur ce canal sur ce fleuve sur cette rivière sur cette mare pour ne pas se noyer ils ont pris donc ce, ils ont pris les bonnes actions dans cet espace qui n'est qu'un espace qu'il faut emprunter ils l'ont pris ce bas monde comme un euh, moyen de transport entre guillemets, comme euh, une chose éphémère et ils ont pris une pirogue ou un véhicule pour se sauver. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme véhicule Ils ont pris les bonnes actions. Ils en ont fait donc une luja, un cours d'eau ou un moyen de transport. Et ils ont pris donc les bonnes actions comme pirogue ou comme bateau. Allah a donc des gens qui sont intelligents. Quand tu es voyageur, tu restes voyageur. Et le poète disait si celui qui veut aller loin, celui qui veut voyager plutôt loin, quitte le soir. N'attends pas le matin. Parce que la nostalgie, parce que l'intelligence l'amène à aller vers plus important. Et plus important, c'est où C'est le bas monde. C'est pas le bas monde, c'est l'au-delà. L'objectif du voyageur, c'est d'arriver à bon port. L'objectif de l'étranger, c'est venir chercher ce dont il a besoin et dès qu'il peut, c'est de retourner vers où vers les siens et vers les siens et vers l'éternité et vers les l'objectif c'est le l'au-delà. Sahal Ibn Saad a il dit Grey, il a rapporté dans ce que L'imam al-Bayhaqi, Ibn Majah, a rapporté ce hadith que le prophète a dit celui dont le bas monde, donner, est l'objectif. Allah disperse ses affaires. Allah disperse ses affaires. La pauvreté est marquée sur son front et il n'aura de ce bas monde que ce qui lui a été prescrit, décrété. Celui dont l'objectif, comme ce voyageur, cet étranger, l'objectif est l'au-delà, Allah lui rassemble toutes ses affaires. Allah lui rassemble toutes ses affaires. La richesse est imprimée dans son cœur. Il n'y a de véritable richesse que la richesse du cœur. Et le monde, le bas monde vient à lui. Donc c'est un hadith qui nous montre quoi Qui nous montre que celui qui a comme objectif ce bas monde... Mais il cherche partout, il ne cherche que ça, il ne voit que ça, il a une orniette. Tout ce qui va dans son objectif, ce bas-monde, les objectifs étant nombreux, comme l'a dit le professeur Salam, qui a donné ce très bel exemple, donc il va se retrouver avec, ses, il va être à ses objectifs vont être dispersés, parce que son bas-monde, le moment de son objectif, tant qu'il va chercher à gauche, à droite, toute occasion, toutes les opportunités pour s'enrichir, pour chercher la gloire, pour l'argent, sans, sans vergogne, il va, il va, il va chercher partout. Il va, il va se fatiguer. La pauvreté, mais il est vraiment pauvre. Hein, parce qu'il ne va pas se contenter, il est toujours pauvre, il est toujours dans le besoin. Toujours dans le besoin. Et il n'aura que ce qu'elle a décrété, Subhanahu wa Ta'ala, qui dans sa miséricorde et dans son omniscience, a dit à l'ange des matrices d'écrire ce de quoi il va vivre. Et son terme ne va pas dépasser là. Son terme, quand est-ce qu'il va mourir Ça a été également écrit, pris sur dans le livre. Al-Mahchoud, le livre gardé. Ali ibn Abi Talib disait, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qui le cite, Ce bas monde s'en va. L'au-delà se rapproche. Chacun des deux mondes a des enfants. Ce bas monde te tourne le dos et s'en va. Depuis qu'il a commencé, il n'est pas un reculant. L'autre monde approche. La vraie vie approche. Et il n'y a de vraie vie que la vie de l'au-delà. Elle approche. Et chacun des deux a des enfants. Soit. Un enfant de la vie dernière et non un enfant de la vie de ce bas monde. C'est un conseil qu'il donnait, entre autres conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de donner. Il était quelqu'un de sage, en tout cas de réputé sage, qu'Allah qu et Ainsi que tous les compagnons du prophète Donc leur arrive sa position, c'est quoi C'est le fait de « je suis là pour peu de temps, je suis conscient de cela ». J'ai été averti de cela et donc j'ai peu de temps pour atteindre. Je ne vais pas m'apesantir dans ce bon monde, sinon la nuit va tomber et ça va me retarder. Et je ne prendrai pas beaucoup de choses. Je ne prendrai que ce dont j'ai besoin parce que si je prends beaucoup de choses, je serai ma, ma, ma charge sera grande, ma monture sera sera donc euh, alourdie. Et quand on parle de monture, bien entendu, c'est prendre des péchés, etc. Et au jour du jugement dernier, le fardeau. Personne ne pourra, voilà ta personne ne prendra le fardeau d'une autre personne, comme Allah le dit entre autres, dans le verset 7 de la surata 39 à Zumar. Ce sont des sagesses que Ibn Amar an, an explique ensuite, il dit c'est quoi quand tu, es dans ce, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. Mais ça, c'est donc une explication de l'étranger, soit dans ce bon monde comme un étranger, c'est-à-dire ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Mais en même temps, l'étranger est étrange. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est la même racine. L'étranger est étrange. Étrange parmi les siens. Étrange dans ce bon monde parce que ce qui l'intéresse n'intéresse pas les autres. Ce qui l'intéresse n'intéresse pas les autres. Il est vu de façon étrange. Il est délaissé d'ailleurs. Le prophète Sallallahu dans le Hadith de Abu Huraira et de ben anhumah, quand le prophète Sallallahu a dit Bada Islam ghariba, c'est ou ghariba, kama badat. Touba l'il ghuraba. Hadith rapporté à l'imam muslim. Cet Islam a commencé étrange. Ou étranger. Il redeviendra étranger comme. Il a commencé. Bienheureux, donc les tout bas, bienheureux les étrangers. On lui a demandé à salam mais qui sont ces étrangers Il dit ceux qui réforment quand les autres corrompent. Dans une version, ceux qui sont chassés ou éloignés de leur tribu. Dans une autre, ceux qui font le bien alors que les, les autres font la corruption. Donc, il y a beaucoup de versions rapportées entre autres par les musulmans, d'après Abu Hurayra ou d'après Ibn Omar. Radiallahu anhu. Donc, cette étrangeté est de plusieurs façons. Et c'est lui, effectivement, surtout à la fin du monde. À la fin du monde, le Prophète a dit à la fin des temps, le croyant qui tient à sa religion va devenir étrange. C'est comme quelqu'un qui va tenir une braise de feu dans la main. Et il aura la récompense de 50 d'entre vous. Ils ont dit, Ya Rasool Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu veux dire de 50 d'entre eux Il dit, non, 50 d'entre vous. Parce que vous, vous voyez des gens, vous me voyez, vous voyez des gens en train de vous aider. Là, ils seront étranges, ils seront minoritaires. Ils seront minoritaires. Et Allah dit dans de très nombreux versets que la majorité n'a jamais été synonyme de la vérité. De la vérité. Entre autres versets... 116 de la surat 6. Et pour retenir plus facilement le verset également 116 de la surat 11. Et Allah dit dans la surat 12, verset 103 également Tu ne saurais rendre les gens croyants, même si la plupart des gens seront incroyants, même si tu insistes. à Muhammad alayhi wa sallam, verset 103 de la surat Yusuf, de la surat 12. Verset 111 de la surate 6 et également 111 de la surate 11. Verset 116 de la surate 6 et verset 116 plutôt de la surate 11. La plupart des gens, la plupart des gens sont, on a dit l'enfer, 999 pour 1000 les fils d'Adam. Les gens font du mal et les gens ont tendance à faire du mal. Le Prophète ne nous a-t-il pas dit, ne sois pas comme un mouton de Panurge On pourrait traduire par ça. Quand les gens font du bien, tu fais du bien. Quand les gens font du mal, tu fais du mal. Quand le soi, donc, cette, ce choix que Allah a fait, cet cette ami d'Allah, cet allié d'Allah, quand les gens font du bien, tu fais du bien. Quand les gens font du mal, tu fais quand même du bien. C'est ainsi que nos couples vont être stabilisés. C'est ainsi que nos familles vont être stabilisées. C'est ainsi que la communauté entière va être reformée. Le fait que tu ne vois pas, ma soeur, mon frère, tes droits et que tu vois tes devoirs. Si on vous fait du bien, tu fais du bien. Si on fait du mal, tu fais quand même du bien. Parce que ne va pas t'interroger sur tes droits. Il va t'interroger sur tes devoirs. Qu'est-ce que tu as fait Et non pas qu'est-ce qu'on te doit puisqu'il le sait et il va laisser tous les torts au jour du jugement dernier au moins, au plus tard. Donc parmi cette étrangeté, entre guillemets, il y a quatre types d'étrangeté. L'étranger reste étrange parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'il a une culture étrange. À quoi on reconnaît l'étranger Parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes qu'ici. On reconnaît l'étranger parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes. Le degré le plus étrange le, le plus élevé de l'étrangeté, de l'étranger donc, c'est l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala ibn Qayyim al fasse miséricorde, il disait, c'est le plus haut degré de la foi. Il est allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ordonne ce que Allah aime. Il interdit ce que Allah déteste. Et il ne se réfère qu'à la soumna du professeur wasallam. On dit « Bada islam ghariba wa saoudu ghariba kama bada » L'islam a commencé étranger ou étrange et il finira étranger comme il a commencé. On dit que cette étrangeté en réalité, c'est la soumna. Et tu trouveras ma soeur, tu trouveras mon frère, que quand tu vas essayer de faire comme l'a défini le professeur wasallam du bien quand les autres font du mal, tu passes pour être un étranger dans ce bas monde. D'ailleurs on le sent qu'on est étranger. Dans ce bas monde, en, fin, en cette fin de monde. Mais tout le monde fait ça, mais tu te prends pour qui Par jalousie et par uh, maladie du cœur. Les gens n'aiment même plus le bien. On peut être uh, faire des erreurs, on en fait tous. On peut même ne pas être pieux, mais au moins on aime les pieux. Comme le disait l'imam Ashafaye uh, j'aime les pieux, mais je n'en fais pas partie. Et son élève, l'imam Ahmad disait dans un poème "Tu aimes les pieux, tu en fais partie. Mais au moins, sois l'homme est avec les gens qu'il aime. Si tu ne peux pas faire comme les biens, comme les gens bien, au moins, au moins, aime-les, aime le aime bien. Il se peut qu'Allah te fasse miséricorde. Ne sois pas là en train de d'avoir la haine dans le cœur parce que les gens font ce que toi tu ne peux pas faire. Prie à Allah pour eux. Il se peut qu'Allah te reforme et que tu sois comme eux." Parce que c'est Allah qui leur a donné. C'est pour cela qu'il n'y a pas de place de jalousie dans l'islam. Sauf à envier, à vouloir faire du bien comme les gens qui font du bien. Deux types de jalousie seulement, a dit le Prophète Salam, sont enviables. Celui qui voit quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, dans une version qui a, qui a pris la science, qui, le récite, qui récite le Coran matin et soir, et celui qui le voit, qui n'a pas appris le Coran et qui dit si j'avais la même science que lui, si je connaissais le Coran, je leur fait la même chose que lui. Et ils ont la même récompense Allah est généreux. Qu'Allah est généreux. Tu n'as pas de science. Tu ne passes pas ton temps à apprendre, tu ne passes pas ton temps à enseigner, mais tu as envie d'être un enseignant. Tu as envie d'apprendre le Coran, tu as envie de faire le bien. Rien que cette envie va t'apporter la même récompense, c'est ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, que celui qui passe matin, midi et soir en train d'apprendre le Coran, en train de le reviser, en train de l'enseigner. Notre Seigneur est généreux. Et l'autre, celui qui dépense matin, midi et soir, Et ils sont rares. Dans la, pour la cause d'Allah et pour Allah, grâce à Allah. Et tu te dis, tu te dis pas bah voilà un saut, voilà quelqu'un qui, qui a vraiment qui investit dans l'au-delà. Si j'avais la même chose que lui, j'aurais fait la même chose. Tu auras la même récompense que lui sans avoir les mêmes inquiétudes, parce que au jour du jugement dernier. Les pauvres rentreront au paradis 500 ans, et je ne te dis pas que c'est qu'une année, certains disent mille ans, comparé à nos jours. 500 ans avant, les, avant, les, les, les pauvres rentreront 500 ans avant les riches, parce qu'ils vont rendre compte de tout ce que, comment ils ont eu cet argent-là et comment ils l'ont dépensé. Bienheureux ce jour, celui qui n'a eu que très peu et qui, donc, n'a pas eu beaucoup de choix que de dépenser dans le vital, dans l'utile en tout cas. Et pas dans le futile. Donc l'étranger, c'est l'étranger. L'étranger, c'est celui qui aime Allah, qui pratique la sunnah du sallam quand les gens s'en éloignent, qui ordonne le bien quand les gens font le mal, qui réforme les comportements des gens, et il est non seulement pas aimé, parce que les gens n'aiment pas que tu le rappellent qu'ils sont dans l'erreur. Or, c'est le message de tous les prophètes, dont certains ont été assassinés pour cela. On appelle que le pire, bien entendu, c'est d'enlever de, les gens du politisme. Le seul péché que Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas. Qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Verset 48, la Sourate 4, si tu veux réviser. Verset 116 également de la Sourate 4. Allah ne pardonne pas le politisme. C'est pour cela que ses amis d'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptent pas de passer un temps en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'en répandent. Tel était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il revenait vers Allah cent fois par jour et il demandait pardon. Comme l'a rapporte l'imam musulman. Ses alliés d'Allah se réfèrent à à la sunna du prophète wa ce celui par qui Allah nous a montré ce qu'il aime. L'une des deux trois missions des prophètes sallam. Donc, il se réfère à la sunna en toute chose. Quand ils veulent faire une chose, qu'est-ce que le prophète sallam a fait dans ce domaine? S'ils le savent, ils le font. S'ils ne le savent pas, ils savent alors que Allah a voulu que chacun fasse de l'istihad, c'est-à-dire il n'y a pas de avec le nos comme le disent les savants, il n'y a pas de je crois, je pense que, alors qu'il y a une preuve, soit du Coran, soit du Hadith. Ça, ce sont les alliés d'Allah. Ils sont parmi les gens, ils sont parmi les hommes, mais ils sont avec Allah. Ils n'acceptent pas de passer, de passer, de consacrer un temps à autre qu'à quelque chose qui est utile et qui leur sera utile dans l'au-delà. Ce sont les rapprochés d'Allah. Dans ce bas monde avant l'au-delà. Ils ont la compagnie d'Allah. Ce sont les prophètes, bien sûr, a. ce sont les gens qui les ont suivis. Ce sont les gens, ce sont les vertueux parmi les hommes. Mieux encore, ce sont les gens qui ont abandonné ce bas-monde parce qu'il ne vaut pas ce qui pas plus qu'un chevreau mort aux oreilles coupées. Ce sont les savants parmi les ignorants parce qu'ils connaissent Allah. Parce que celui qui connaît Allah, il l'aime. Ce sont les sincères parmi les hypocrites. Ce sont les éveillés parmi les insouciants. Et la plupart des gens sont des insouciants. Ça, ce sont les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont étranges. Ils sont étrangers parmi les hommes. Dans leur tribu, ils ne, re ils ne représentent, ou dans ce bas-monde, ou dans leur village, ils ne représentent que très peu. Très peu de gens font du bien. Et Allah en a sauvé les gens qui ont ordonné le bien et interdisant le mal. L'étrangeté, donc, dans ces... Ça, c'est l'une des catégories. L'autre catégorie, c'est l'étrangeté, donc, dans la situation à laquelle nous avons fait allusion. C'est le vertueux parmi les gens qui sont infidèles, qui ordonnent ce qu'Allah veut, qui font le bien alors que les gens font du mal. Ce sont les gens qui sont étranges parce qu'ils sont minoritaires dans leur... Il y a l'étrangeté également dans l'intention. C'est étrange que tu ne t'occupes pas de ce bas-monde. Bon C'est étrange que la notoriété, le pouvoir, la domination, l'argent ne te préoccupent pas. Tu es étranger dans ce bas-monde. Bon Mais ne sais-tu pas que le même Sahel, Ibn Saad, Asaïdi, qu'elle a la grève. il a rapporté dans ce que l'imam Ibn Majah a consigné dans, son, dans sa Sunnah, dans, dans son livre de Sunnah. De même euh, que d'autres, il a consigné ce hadith. L'imam Tirmidhi également, qu'elle le fasse tous miséricorde. Un homme est venu trouver le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Hibban également, Ibn Majah. Un homme est venu trouver le professeur wasallam et il dit, dis-moi, ya Rasoul Allah, conseille-moi, donne-moi une chose, dis-moi une chose, qui, si je la fais, Allah va m'aimer. Allah va m'aimer. Et les gens vont m'aimer. Allah va m'aimer si je fais une chose et les gens vont m'aimer. Ceci est étonnant pour nous. Comment est-ce qu'Allah va t'aimer les gens vont t'aimer en même temps Effectivement, si. Quand Allah t'aime, les gens vont t'aimer. Et on connaît tous les hadiths qui nous plaît beaucoup. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Gabriel, j'aime un aime-le. Gabriel l'aime, il ne désobéit pas. Il descend dans les cieux, il l'inspire, il ordonne aux anges d'aimer. Et les anges ne désobéissent pas. Cette personne que Allah aime, les anges descendent sur la terre. Et sur la mer, et ils inspirent l'amour de la personne à tout, y compris à la baleine, y compris au poisson. Vous savez pas que c'est parce qu'Allah aimait Yunus à -salam, que la baleine l'a avalé et ensuite l'a rejeté là où Allah lui a ordonné On dit que Yunus, quand il était dans la baleine, il entendait le tasbih il entendait. Les louanges des poissons qui étaient autour de la baleine. Et c'est ce qu'il a inspiré et qu'il aurait dit La il a d'autres. Si les poissons arrivent, si les poissons louent Allah, célèbrent sa louange, comme moi, même dans le vent de la baleine, dans une situation préoccupante, dans une situation restreinte, dans une, dans une prison, comment je ne vais pas célébrer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances Et on dit que. C'est là où il a dit « La ilaha illa anta subhanaka Et comme Allah le dit, s'il n'avait pas été de ceux qui célèbrent la louange, il aurait, il aurait été prisonnier dans le poisson, dans la baleine, jusqu'au jour de la résurrection. Parce qu'Allah va ressusciter même ceux qui sont morts dans les ventre de la baleine. Mais il aurait été prisonnier. Voilà comment Allah inspire qui il veut, par ce qu'il veut. Et quand Allah déteste quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Gabriel, je déteste telle personne. Déteste-la. Gabriel va la détester. Les anges auront ordre de détester la personne dans les cieux. Ils vont descendre sur la terre et sur la mer et ils vont inspirer la détestation de cette personne. Quand nous disons on ne nous aime pas, il faudrait au moins savoir pourquoi. Si les gens ne t'aiment pas, parce que tu es droit. Parce que tu es un homme de vérité, tu es une femme de vérité, parce que tu ne t'érigiverses pas avec la vérité, alors très certainement, Allah va t'aimer. Les gens ne vont pas, même, les gens vont pas te détester. Il y a quelques-uns qui n'aiment pas la vérité, qui aiment tricher, qui vont te détester, mais la plupart des gens, les créatures d'Allah, les anges, et Allah suffit. Si Allah t'aime, très certainement, cela se suffit. Comme le disait quelqu'un, tu as perdu celui qui a gagné Allah. Et qui a gagné, celui qui a perdu Allah. Le monde entier, ce qui contient, tu n'arriveras jamais à le satisfaire. Toi, tu veux satisfaire les gens dans la en encourant la colère d'Allah. Le hadith du wa sallam est là pour le dire. Celui qui cherche l'agrément d'Allah. Au prix de l'agrément des gens, Allah va lui accorder l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. Celui qui cherche l'agrément des gens. Au détriment de l'agrément d'Allah. Il n'aura ni l'agrément des gens. Tu as déjà vu quelqu'un qui a eu l'agrément de tout le monde Ni l'agrément d'Allah, ce qui est encore le pire. Donc, qui a vraiment perdu celui qui a gagné Allah, celui qui a eu l'Allah, celui qui a eu la compagnie d'Allah, celui qui a été choisi comme allié d'Allah et qui a vraiment gagné le pauvre Pas grand-chose. Ce monde et ce qu'il contient il ne représente pas grand-chose chez Allah. Alors, l'agrément des gens, qu'est-ce que ça va t'apporter Et pour combien de temps À supposer que tu l'auras. Celui qui a. Perdu l'agrément d'Allah, qu'est-ce qu'il a gagné Pas grand-chose. Donc cet homme demande l'amour d'Allah. Enseigne-moi, Ya Rasulallah, puisque je crois en toi. Je sais que c'est Allah qui t'a révélé. Il ne parlait pas de lui-même. C'est Allah qui le dit. C'est Allah qui le défend contre Abu Lahab. C'est Allah qui le défend contre ses détracteurs. Allah dit dans la surat 53, verset 3 à 4. Il ne parle pas de lui-même. « In Ce n'est qu'une révélation révélée. « Sallallahu alayhi sallam » Et donc, enseigne-moi. Et les savants disent, à propos de ce hadith, hein, c'est l'attribut d'amour d'Allah. Allah aime. C'est également que les compagnons du Prophète, vous voulaient tout le bien. je ne veux pas grand-chose. Je ne veux pas de l'or. Je ne veux pas de, de l'argent. Moi, ce que je veux, enseignement, moi quelque chose qui va m'amener... لامور الله، سي لو الأعلى لو بلوز ايلفي، كالون يا الله يا قل يا محمد، ديلر يا محمد. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يوحكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة 3 ، ديلر يا محمد. سي فريمون بو الله. اِمَي الله نوس بريتانون Allah vous aimera. C'est ça qui est recherché. Le plus important, ce n'est pas l'amour d'Allah. C'est que Allah, il t'aime. Ce n'est pas que toi, tu aimes Allah. Tout le monde prétend aimer. aimer tout, tout, tout les, toutes les personnes qui disent croire à Allah Prétendent aimer Allah et, et suivent des voies, y compris dans cette communauté, que le wa sallam nous a Averti qu'elle sera divisée en 73 parties, dont une seule sera sauvée. C'est sur quoi lui, il est, lui, lui et ses compagnons. 73 parties. Quel musulman ne va pas dire qu'il aime Allah S'il n'aime pas Allah, forcément, ce n'est pas un croyant. Ce pas un musulman. Comme nous nous prétendons tous aimer Allah. Mais Allah dit, il est une condition sine qua non. dis Ria Muhammad, si vraiment vous prétendez aimer Allah, si vraiment vous l'aimez, suivez, suivez-moi. Allah vous aimera et Allah vous pardonnera vos péchés. Allah, il est celui qui pardonne. qui... Pardon les péchés. Et Allah, il est celui qui pardonne. al al le Donc on doit aimer Allah. On doit, il lui cherchait l'amour d'Allah. Tel était les compagnons du prophète qu'on n'atteindra jamais, même pas la cheville. Mais en même temps, ce n'est pas exclu. En même temps que les gens vont m'aimer. Il n'est pas interdit de se faire aimer, à condition que ce ne soit pas au prix de l'amour d'Allah. Et on a vu que Allah seul est le, Allah est le seul digne à être aimé pour lui-même. Les gens, on ne les aime pas. Pour eux, on les aime par Allah et pour Allah. cest à qu'on les aime plus. Quand euh, ils en courent, ils n'aiment pas ce que Allah aime. Ils se ils, ils désobéissent à Allah. Ils s'éloignent de l'amour d'Allah. Et ces choses sont connues. C'est pour cela que les prophètes sont venus nous dire ce qu'Allah n'aime pas. Donc on n'aime pas. Allah seul est à aimer parce qu'il est le seul digne d'amour. Tout autre que lui, Mohammed compris. Les vertueux, bien entendu, tout, on les aime pour Allah parce qu'ils ont choisi Allah. Les gens que nous aimons, ça peut être l'amour naturel. Mais une fois que ces personnes se mettent à faire ce qu'Allah déteste, on ne peut pas continuer à les aimer. C'est pour cela qu'on aime pour Allah, on déteste pour Allah si on veut avoir la saveur de la foi, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa Personne d'entre vous ne, ne, ne goûtera la saveur de la foi qu'à la condition expresse que qu'il aime Allah et son messager plus que tout. Que quand il aime, il aime pour Allah, quand il déteste, il déteste pour Allah et qu'il craigne de revenir de cette foi Allah donne aux gens qu'il a aimés après que Allah les guide, comme il craint de tomber dans le feu. Donc cet homme est venu demander au Prophète Sallallahu Alaihi Enseigne-moi une chose, dis-moi une chose. Si je la fais, Allah va m'aimer. Et les gens vont m'aimer. Et il a dit Idhad. Idhad. Fit dunya. Yuhibouk Allah. Renonce totalement à ce bas monde. Renonce à ce bas bon monde. Allah va t'aimer. Et elle renonce à ce que les gens possèdent et les gens vont t'aimer. En effet, Allah a donné ce bas monde pour ceux qui sont pauvres, qui n'auront ri, rien dans l'au-delà. Quand Allah aime son serviteur, il le protège de ce bas monde, a dit le prophète, comme le malade est protégé de la nourriture et de l'eau. Quand tu sais que quelqu'un est malade et qu'il ne doit pas manger avant l'anesthésie, ou que le manger, tel manger, tel manger va aggraver la maladie, tu le protèges, tu, tu, tu évites de lui donner ce manger-là. Pas de gras, pas de ceci, pas de cela. Tu lui donnes de l'eau, et surtout pas de l'eau, hein, pas trop de jus, parce que pas trop de sucre, hein, parce que tu le protèges contre la maladie, pour que la maladie ne s'aggrave pas. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète il le protège comme. Le, il le protège de Dunya de ce bas monde comme il le protège de, comme on protège plutôt le malade de la boisson et de, de la nourriture pour le sauver. Le français nous donne donc cet exemple là il fais le renonce à ce bas monde. Mais le renoncement ne veut pas dire ce que certains pensent. Là, le temps est compté. Sha'Allah, on reviendra sur ce renoncement-là. Mais c'est Allah va t'aimer parce que tu vas renoncer à ce bas bon monde. Et la meilleure explication que j'ai entendue de cela, de ce renoncement, c'est le fait de renoncer à tout ce qui te détourne d'Allah. Il ne s'agit pas de se détourner de ce bas bon monde. Il ne s'agit pas de monter sur les montagnes et de se priver de manger, de boire. Il ne s'agit pas de se mortifier. Non, ce n'est pas cela. Mais ça, Sha'Allah, on le verra. Mardi prochain si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Mais en attendant, il faut que tu saches que tu ne peux pas aimer ce bas-monde et que tu sois aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Kun fit dunya »« Qanna khawarib au abirisabil »« Sois dans ce bas-monde » disait Ibn Omar, la l'agrée, ainsi que son père, comme un étranger. On a vu aujourd'hui principalement qu'est-ce qu'un étranger Un étranger est étrange. Qu'est-ce que c'est l'étrangeté dans ce bas-monde c'est le fait de s'accrocher à Allah et d'avoir comme objectif l'au-delà, plutôt que de s'accrocher à ce bas-monde et avoir comme objectif ce bas-monde, parce que tu es vraiment pauvre, tu n'auras pas grand-chose. Sois un enfant, ma soeur, mon frère, soit un enfant de l'autre monde et pas de ce bas-monde-là. Mais ce bas-monde a le mérite d'exister. Allah n'a pas créé tout ceci en vain. Ce bas-monde a une importance, l'importance qu'Allah lui a accordée. C'est un champ où il faut investir. Et de cela, Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine pour ne pas trop s'étaler ou trop rendre concis pour se faire comprendre. Mais tu es un étranger. C'est le Prophète qui l'a ordonné en tant que conseil à Ibn Omar. Et si tu veux être aimé par Allah, renonce à ces mamouns. Fais le Zohod. Renonce non, ce monde. Soit si tu es étrange et que tu es critiqué pour cela, sache que tu es sur le droit chemin. Parce que l'islam a commencé étrange. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant lui les autres prophètes sont venus pour appeler Allah, il était tout seul. Et le prophète sallallahu nous a dit ce très beau hadith que je répète souvent parce que je suis intéressé. On m'a montré un rêve. En songe, on va montrer les hommes, les peuples. Certains sont venus certains sont venus avec beaucoup, comme c'était le cas de Moïse. Certains sont venus avec quelques-uns seulement. Au jour du jour dernier, les prophètes, et quelqu'un est venu tout seul. Personne ne l'a suivi, et pourtant il était prophète. Donc que le fait que, que tu sois minoritaire, le fait que tu t'accroches à la vérité ne soit pas un facteur qui te décourage. Au contraire, il te faut de la détermination. Et tu auras, inshallah. La récompense de 50 compagnons du professeur Assalam, ils ont été étonnés Ils ont dit, tu veux dire 50 d'entre eux Et dit non, je parle de 50 d'entre vous. Parce que ces jours-là, ils n'auront personne pour les aider. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose. Ce n'est pas parce que tout le monde désobéit à Allah. Ce n'est pas parce que tout le monde triche. Ce n'est pas parce que tout le monde est corrompu. Je me rappelle de cette femme, Kala lui fasse miséricorde, qui disait, mais à qui on va donner du mille sans qu'il en fasse du dégé, sans qu'il en fasse du couscous, on dira. C'est-à-dire, c'est normal que nos dirigeants, c'est normal que partout dans les administrations des pays musulmans, que les gens soient corrompus. C'est normal. Parce qu'ils ont la main dans la patte. Et donc, forcément, ils doivent le faire. Forcément, qui à leur place n'aurait pas fait ça Moi, j'en connais. Ce sont les croyants. Un croyant est incorruptible. Un croyant, même si tu lui confies des millions, jamais il ne va toucher à un centime qui ne lui appartient pas. Pourquoi Parce que son objectif, c'est l'au-delà. Au jour du jugement dernier, celui qui a triché vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, je ne parle même pas vis-à-vis -vis du peuple. Vis-à-vis d'un peuple, c'est bien plus grave. Celui qui a pris un seul le rond. Mes frères responsables dans les pays musulmans. Tu les critiques peut-être, peut-être que nous on n'est pas mieux. Dans nos bureaux, il faut d'abord te corrompre pour que tu acceptes un projet pour l'intérêt. Des Africains pour l'intérêt des musulmans. Et toi, tu vas demander pour pouvoir avoir un marché, n'importe lequel qui t'a été confié, il n'est pas à toi. Il est à Allah, au service des musulmans. Et toi, tu vas exiger combien de villas sont illégaux, sont hérités du haram. Je ne dis pas tous, mais la majorité des biens de ses responsables, y compris des fonctionnaires a été volé, volé au peuple. Est-ce que cela croit Vraiment au jour du jugement dernier, comme on l'a vu la semaine dernière. Surat 83. Ces gens croient-ils vraiment qu'ils vont être ressuscités et qu'ils vont comparaître devant le Seigneur des mondes à qui rien ne sera caché Comme rien n'a jamais été caché Puisque c'est lui qui a tout créé et qui sait absolument tout alors ne sois pas comme un mouton de panouche, comme l'a dit le professeur Saddam. Les gens sont corrompus, mais tout le monde fait pareil. On, on ne peut pas vivre sans corruption, ce n'est pas vrai. Tu mens sur Dieu. Si on ne pouvait pas vivre sans corruption, Allah n'aurait pas interdit la corruption. Allah n'aurait pas interdit la corruption. Tu ne peux pas passer à une douane. Tu ne peux pas descendre avec ce qui est halal sans qu'on te demande du bakshish, sans qu'on te demande leur part. Part dans quoi Tu es payé et en même temps... Tu demandes ta part Le prophète sallallahu alayhi s'est mis en colère. Il ne se mettait en colère que pour Allah. Le prophète alayhi sallam s'est mis en colère un jour. Parce que quelqu'un est venu, qu'il a envoyé, qu'il a chargé de missions pour aller récolter la zakat. Il est venu, il a dit voilà votre zakat. Et voilà ce qu'on m'a donné. Voilà votre part, la part du peuple, qu'on va, qu va distribuer donc, entre huit bénéficiaires. Catégorie de bénéficiaires, et ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Le professeur, il s'est mis en colère. Il n'a pas nommément cité la personne. Il a dit, quelqu'un d'entre vous qui vient, il a il a fait un serment devant les musulmans. Et la mosquée sert à ça, entre autres, ordonner le bien, interdire le mal, enseigner le bien et enseigner aux gens pour les faire et s'éloigner du mal. Parce qu'on les aime pour Allah. Il a dit certains viennent, voilà ce qui vous appartient, voilà ce qu'on m'a donné. Il dit qu'ils restent chez leur mère. C'est ainsi qu'il qu s'est exprimé, il n'était pas grossier. Et voir si ce qu'ils ont, on va leur donner. Tu vas au service de l'État, tu vas au service d'Allah, tu es payé pour une chose, et tu réclames, ou on te donne une chose, tu le remets de l'homme. Les bijoux de Bokassa, on sait très bien ce que ça a valu à Valérie jusqu'à d'Estaing. Quand on te fait un cadeau, on te fait un cadeau en tant que quoi En tant que président. Quand on te fait un cadeau, c'est en tant que représentant. Si on te fait un cadeau, c'est en tant que... Mais c'est pour le peuple. Viens, est-ce qu'on t'aurait fait ce cadeau si tu n'étais pas celui qui était au service de l'islam, au service des musulmans, au service d'une communauté quelconque, même non musulmane Alors ça ne t'appartient pas. Au jour du jugement dernier, tu, tu, on va appeler le fraudeur. On va appeler celui qui a trahi et on va lui mettre un drapeau dessus pour que le monde entier, je dis bien le monde, tous ceux qui ont vécu dans ce bas-monde, voient, voilà le, celui qui a trahi. Alors ça craint. Celui qui croit au jour du jugement dernier, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, ne doit pas, ne peut pas trahir. On a essayé de corrompre un collecteur de zakat, qui est l'une des huit catégories, les bénéficiaires de la zakat, pourquoi on lui donne Il fait partie, Allah le cite dans la sourate 9, verset 60. Jusqu'à la fin du verset 60 de la surat 9. La zakat appartient en réalité à, aux pauvres, aux démunis, jusqu à, et également ceux qui le récoltent. Pourquoi Justement pour leur éviter d'être corrompus. Ils travaillent pour cela et tout travail mérite salaire et ils doivent être payés de cela, même s'ils sont riches, pour ne pas être corrompus. Un homme est venu récolter la zakat, le droit du pauvre. C'est Allah qui l'a rendu obligatoire à un berger qui avait des chameaux. Sur chaque chameau, quand on atteint un certain nombre, neuf en particulier, dix, on doit donner un ovin, etc., etc. Le calcul est clair. Et il a voulu en donner moins. Il a voulu en donner moins, alors il a dit ben, Tu m'en compteras moins et je te donne ça en aparté. L'homme, il a dit non. Il s'est dit, 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 dit Je te propose le double. L'homme a dit non. Il s'est dit Je te propose le triple. L'homme a dit non. Alors le paysan ou le berger bedouin, il a dit Je comprends pourquoi le ciel n'est pas tombé sur la terre. الرحمن الله من القران خلق الانسان علمه البيان ، يسكا سيكي ديزا ، بالقسط وَلَا لا تخسر الميزان ، سورة 55 ، ايتيني لا بلانس دروت اي نتريشيو با دون لا بلانس ، لا بلانس لا بلانس لا بلانس لا بلانس لا certainement au jour du jugement dernier. Non seulement ici-bas, il a l'une des trois caractéristiques de l'hypocrite, car nous en préserve, mais dans l'au-delà, on va le montrer, voilà celui qui a trahi ce qu'il a été confié. Par, par, parmi les caractéristiques de l'hypocrite, c'est celui qui trahit la confiance qu'on lui fait. Et donc mes frères et sœurs, si nous avons ce que nous avons, si nous ne sommes pas exemplaires aujourd'hui, c'est bien à cause de nos péchés, et notamment la corruption, dans les pays à majorité musulmane, dans les pays où les responsables sont musulmans, ils ne sont pas tous bien entendus comme ça à la même enseigne, à la même enseigne. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Pire encore, c'est que les gens le justifient. C'est normal. Les ministres ont changé, les chefs de cabinet ont changé, les fonctionnaires ont changé. Ils ont été remplacés par plus corrompus, par plus corrompus. Pourquoi Tout ceci pourquoi pourquoi on massacre des hommes et des femmes dans ce bas bon monde, prétextant qu'on veut redresser des torts Pourquoi au Niger, au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs, en Guinée et dans d'autres pays, pourquoi tant de misère Pourquoi tant de coups d'État pour enrichir une minorité, une poignée de gens pourquoi, n'est-ce pas, c'est à cause de l'amour de ce bas monde Ce n'est pas à cause de l'amour d'autre chose, ce n'est pas à cause de l'amour d'Allah. Même si on prétend que c'est pour le bien des gens, c'est les mêmes qui s'enrichissent. Ce n'est pas de la politique, c'est simplement de dire la vérité, que les gens sachent d'où viennent nos malheurs, les sources, les clés, disait Ibn Qayyim, quand les clés de tous les malheurs, c'est les attractions, c'est l'attirance pour le bas bon monde. Ce bas monde ne répond pas grand-chose. Et tu reviendras à Allah. Abandonne, renonce à ce bas monde, renonce au vélé, renonce aux honneurs, renonce à l'argent, renonce à, au pouvoir. Alors peut-être Allah te fera miséricorde dans ce bas monde. Qu'Allah nous fasse miséricorde, Dieu est le seul miséricorde, le vrai miséricorde. Dieu. Sa miséricorde est infinie. Et celui qui n'en profite pas est le vrai perdant. Qu'Allah bénisse celui qui nous a apporté la vérité. Que Allah a voulu parfaire au travers de l'envoi de cet homme, mohammed ibn Abdullah, le meilleur des hommes, le plus droit, celui qui connaissait le mieux son Seigneur. Qu'Allah le bénisse et le récompense de notre part. Ce n'est pas l'islam. Le mal n'est pas dans l'islam. Il est dans certains musulmans, certainement pas dans l'islam. Qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah vous bénisse, mes sœurs et frères, qui tendent l'oreille à ce qu'Allah voulait voulu, qui vous compte, comme il est dit dans la suite 39, Papa ahsana Et annonce donc à Muhammad la bonne nouvelle à ceux qui, de ce qu'ils entendent, mes serviteurs, qui, de ce qu'ils entendent, ils choisissent le meilleur. Qu'Allah vous compte parmi cela. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous accorde le paradis. Qu'Allah fasse de nous des témoins et que... Juste. Par rapport à la cause qui est la vérité Envers et contre tout Qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera profitable Ne fasse pas de ce bas monde notre seul gain Parce que celui qui n'a que ce bas monde comme gain N'a pas vraiment eu grand chose Et donc notre prochain rendez-vous ce sera Samedi à 19h30 Pour parler de la Hijra Du professeur Allah bihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته